Bonsoir à tous. C'est plutôt une tradition au nouvel an de conférer avec les confrères, les amis, les collaborateurs de la presse pour les traditionnelles présentations de vœux. Et c'est à cet exercice-là que nous nous prêtons aujourd'hui. Et merci d'avoir massivement répondu à l'invitation du ministre porte-parole du gouvernement. Je veux donc à son nom, au nom du premier ministre chef du gouvernement et à celui du chef de l'État, présenter à chacun de vous nos voeux les plus sincères de santé, prospérité, succès dans tout ce que nous faisons cette année. L'année 2022 qui s'est écoulée a été une très bonne année, globalement pour la presse, en termes de tout ce que vous avez eu à faire concrètement sur le terrain. Il n'y a pas de critique à faire, vous avez fait votre métier, mais globalement, on peut dire que le travail s'est très bien passé. Et les petits soucis des années précédentes liés à quelques problèmes avec des confrères de la presse, dans la mesure du possible, ont été le plus atténués. Et nous espérons que cette année 2023 également va continuer à s'inscrire dans cette dynamique pour permettre à ce que la presse puisse continuer à travailler très naturellement, très librement et dans la plus grande indépendance, et également dans le respect des droits et règlements de la République. Encore une fois, au nom de chacun de mes collègues, présents ici ou pas, nous souhaiterons vous présenter à vous, à vos familles, à vos proches, nos vœux de succès, de santé, de prospérité pour l'année 2023. Je vous remercie.